Je suis Maryse Jacquin-Salomon, éleveur-producteur d'escargots à Chambon, dans le Cher. Ça fait 20 ans qu'on est installé, début très difficile, dans une activité hors sol. Donc l'élevage d'escargots, faut y croire, il y a 20 ans. Une femme d'autant plus, c'était d'autant plus difficile dans le monde agricole et économiquement d'autant plus dur pour la viabilité de l'exploitation. Au bout de 20 ans, on a réussi quand même à s'imposer et à montrer que voilà, on avait notre place dans le milieu agricole. Et le fait que, bien économiquement, nous sommes quand même une petite entité, hein, mais on a notre carte à jouer et on sent les gens vraiment intéressés sur notre produit, avec une démarche aussi en circuit court, donc une approche près du producteur, que nos clients sont sensibles, ils s'approprient entièrement notre produit jusqu'au bout, quoi. L'agriculture départementale est importante, mais régionale encore plus, car c'est une vision globale de tout un territoire, une importance extrême, puisque nous sommes quand même dans des régions où l'agriculture a une place prédominante. Et avoir une vision globale de tout un territoire avec une identification régionale me paraît plus qu'importante, quoi, indispensable. Le lien entre la région et puis mon activité, c'est de pouvoir faire un produit d'identité déjà, un produit de qualité aussi, reconnu au-delà des frontières d'un département, mais aussi des régions, et au-delà de la région aussi, se placer au niveau national, avoir une référence, et le lien est indispensable. On ne peut pas produire uniquement dans un périmètre, et si on veut véhiculer une image positive, c'est désenclaver toutes ces barrières-là et bien avoir une identité régionale aussi. Ma plus grande fierté d'éleveuse d'escargots, c'est déjà d'exister au bout de 20 ans, parce que ce n'était pas gagné. Qu'une femme puisse être là dans le milieu agricole, et surtout que l'escargot, le jacquin, soit aussi, un produit de qualité, de référence. Et c'est vrai que ce n'était pas gagné, il fallait faire sa place. Je pense que ce qui a été moteur aussi, c'est cette ténacité de vouloir démontrer aux autres qu'on peut y arriver et d'arriver à un produit typiquement région centre sur l'élevage d'escargots.